Je sens déjà venir le flot d'insultes me traitant de fanboy de Marvel, de suceur de bite de Kevin Feige, peut-être, je ne sais pas. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis un fan de super-héros. Marvel, DC, j'en ai rien à péter. Et que, entre fans de Marvel et fans de DC, on a probablement plus en commun qu'avec l'entièreté du reste de la planète. Donc ça suffit, les petites guerres intestines. Il se trouve que ce Justice League ne m'a pas plu, mais ce n'est pas parce que je préfère les Marvel. C'est juste que je le trouve moins bien fait, surtout qu'il essaye de faire pareil que Marvel. Bref, je vous parle de tout ça dans la critique avec spoil de Justice League en 180 secondes. Toujours réalisé par Zack Snyder et Joss Whedon, toujours sorti le 15 novembre 2017, je vais revenir dans cette critique avec spoil sur des détails plus précis tout en spoilant le film pour vous dire pourquoi je n'ai pas beaucoup aimé ce Justice League qui reste un film tout à fait passable en tant que blockbuster du genre. Ce qui me gêne en premier lieu, et je vous l'ai déjà dit dans la critique sans spoil, c'est l'absence d'identité du film. En témoigne la scène d'introduction qui est représentative d'un grand malaise, celui du fait d'avoir retiré la réalisation à Zack Snyder. Les scènes d'intro de Zack Snyder sont toujours très travaillées, en témoigne Man of Steel, BVS et puis ses précédentes réalisations. Là, on tombe sur un vlog tourné au portable. Rien que ça, déjà, ça sort du film. Snyder n'est plus là. C'est facile, bête et méchant pour commencer un film, c'est vraiment le côté « Ah, c'est mignon, c'est Superman, il est gentil !» C'est pas l'identité qu'il a posée jusque-là, et c'est vraiment problématique, et ça va se ressentir tout au long du film qu'il y a une vraie absence de réalisateur, d'identité, de vision. Ces scènes d'intro continuent tout au cours du film, ça se présente 5 fois sans jamais commencer. Ça me fait beaucoup penser à Suicide Squad en fait, où on représentait encore et encore et encore les personnages. Ce que je trouve couillon, c'est qu'on a cette scène du flashback de la première apparition de Steppenwolf, il y a de ça 5 millénaires sur la Terre, avec la voix de Wonder Woman qui est assez kitschissime, je pense que la voix est en trop. Et je pense que c'était ça, la scène d'intro de base, qu'on a recalé plus tard dans le film. Et c'est vraiment couillon parce que cette scène aurait pu nous lancer directement dans le film. Le souci, c'est que le film ne commence jamais. On attend très longtemps, bien une heure, avant de voir le film vraiment commencer. Et dans ce genre de blockbuster où on attend une réunion d'équipe, il faut commencer avec des enjeux forts. Les enjeux ne sont pas présents dans le film, et je pense que cette scène de flashback aurait vraiment pu le faire. On a en fait une formule toute faite du blockbuster, c'est pas du tout inventif, et ça ne cherche pas à faire quelque chose de plus faramineux que le blockbuster basique, et c'est vraiment dommage pour un film qui s'appelle Justice League. Les personnages sont relativement mal présentés, Cyborg est peut-être le mieux parce qu'il a une vraie histoire, un vrai drame. Aquaman est à peine présent, ne comprend pas ses pouvoirs, ne comprend pas pourquoi il va chercher le Triton. Flash est un peu rigolo et lui a le droit à avoir un petit drame, mais le souci c'est qu'il fait beaucoup trop de vannes sans jamais se présenter correctement, notamment vis-à-vis de Superman et à cette scène post-générique que je trouve un peu ridicule parce qu'en fait on fait « Ah, on fait de l'humour !» mais on a oublié de présenter les personnages. Wonder Woman a déjà un peu plus de relief que dans son film, mais elle n'est pas toujours très juste, là où Batfleck, comme j'aime l'appeler, maîtrise bien son Batman, fait relativement pas le figure par rapport aux autres, parce que y a pas une cohésion d'équipe en fait, tout le monde ne fait que bourriner dans ce film, et Batman fait une roulade, il tire, il fait une roulade, il tire, et c'est vraiment dommage parce que c'était la force d'un Avenger où chacun avait quelque chose à apporter à l'équipe, là c'est juste on bourrine. Superman fait un peu figure de figuration justement, il est trop puissant face à Steppenwolf, même si j'ai beaucoup aimé sa confrontation avec la Justice League qui est une des scènes d'action assez réussite. Il n'y a pas de scène d'action mémorable à part celle-là, et peut-être celle de Wonder Woman du début où là elle est vraiment badass avec le bon thème musical. La bataille de fin est tout juste risible, et la gestion des civils, il y a 100 personnes à tout péter, à sauver, est tout juste ridicule. En fait, ça marche beaucoup sur les plates-bandes d'Avenger, c'est les mêmes vannes, les mêmes lieux, les mêmes artefacts, les mêmes portails, et ça souffre de la comparaison parce qu'il se l'impose, et ça c'est bien dommage. La répétition du thème espoir et le film un peu trop familial, j'ai trouvé ça assez incohérent par rapport à ce qui a été fait avant, et puis la fin est risible avec le monologue tout juste sorti d'un carambar de Lois Lane qui fait « Ah, l'espoir c'est bien, et la guerre c'est caca ». Et j'ai dépassé malgré un dépit assez rapide, tout ça pour vous dire qu'il y a un vrai souci dans Justice League, c'est le refus du drame présenté dans les précédents films de Zack Snyder, et du coup il y a une incohérence par rapport à l'univers bâti, mais ça je vous l'ai déjà expliqué dans la critique sans spoil, et je le répète encore sur sa critique avec spoil. Je vous invite à me donner votre avis sur le film dans les commentaires. Je vous rappelle aussi que ma web-série Les Plaidoiries de l'Absurde a commencé sur la chaîne Popcast, c'est un épisode tous les vendredis et ce jusqu'au 29 novembre, il y aura d'ailleurs un épisode consacré à Batman début décembre je crois, donc ça me ferait très plaisir si vous acceptiez d'y jeter un petit coup d'œil, et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.